Donc, le chapitre 5, on va... à moins que je fasse un autre petit terrain à côté et qu'on plante autre chose. Hein, puisqu'on a fait, on a acheté des graines, 15 graines, donc je peux faire un 3 sur 5. Ah bah, il connaît Raptor, il sait que ça en était, lui. Tu n'as pas des fouets. Des fouets pour refaire. Ah, Baobab, ils s'y connaissent en culture, apparemment, Baobab et Raptor. C'est bien, ça. Alors, ouais, bah, je ferais bien un autre petit terrain là, et puis s'occuper du chapitre 5. Il faut que j'aille parler à Alvin. Bon, bah, Alvin, il va attendre un peu, hein, d'accord? Ouais. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Faire un autre petit terrain, un 3 sur 5, ça serait pas mal. Allez, on essaye ça. Voilà, là. Non, c'est pas là, c'est bâtiment. En plus, tu as de l'engrais. Ouais, ouais, ouais. En plus, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, tu es un fils d'agriculteur, Baobab. Ah, d'accord, comme Alexandre, alors. Super. Ah, oh, bah, et puis Raptor, il est de la campagne. Oh, bah, hé. On a des gens de la ferme, voilà. Que je mesure mes mots. Hein, que je ne vais pas dire des choses. Voilà. On a des gens, des paysans, quoi. Hein. Des campagnards. Ça se dit campagnard, ça va, c'est pas méchant. Hein? Bah non, moi j'aime bien la campagne. Hein. Ah ouais, d'accord. Bon, bah ils s'y connaissent, tant mieux alors. Super. C'est les gens de la ville, généralement, ils sont pas tendres avec les gens de la campagne. Ils disent des mots assez durs, quoi. Donc c'est pas sympa. Mais bon, c'est quand même grâce aux paysans qu'on mange sereinement. Hein, qu'on mange bien. Ah, c'est pas en allant au McDo qu'on va bien manger, hein. Ça c'est clair. Allez, on essaye un 3 sur 5. Par contre, ils me mettent pas... Champ 1 sur 1. Ah, ça y est, ils me le mettent là-haut. D'accord, je viens de trouver. 1 sur 2. Oh, super. Ça, je savais pas, justement, j'allais dire. C'est dommage parce qu'ils nous mettent pas combien on met. Donc, 1 sur 2. Voilà. Non, là, c'est trop. Voilà. 1 sur 4. Donc, 4... j'en veux 15, donc pas par 4 alors, c'est 3 sur 5 normalement. Bon alors attends, 3 sur 3, 3 sur 4, 4 sur 4, on va faire comme le blé, 5 sur 4. Vas-y encore une fois, s'il te plaît. Non, tu veux pas? Non, je suis... alors 4 sur 4, ça vous va 4 sur 4? 5 sur 4. Ouais mais là je dépasse, là. 5. 2 sur 5, ah voilà d'accord, ok. Ouais, 5 sur 4, non, c'est ici, je crois. 5 sur 3. Alors, tu fais quoi, là? Alors, voilà, on va faire comme ça et on va reculer. Parce que là, je... Voilà, 3. Donc, il faut que je garde le 4, là. Voilà, 4. 4 sur 4. Est-ce que je peux... 5 sur 4. Ouais, c'est bon. 5 sur 4, ça fait 20. C'est pas mal. Allez, hop, voilà. Hein, c'est pas mal, 5 sur... Tu peux dire bouseux, moi ça me gêne pas. Moi j'avais pensé à cutéreux, moi, mais bon. Bouseux, non, bouseux. Bouseux. Non, je pensais à cutéreux, mais bon. C'est pas... Non, non, je vais pas dire bouseux. Non, 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 c'est mal... Non, non, c'est mal perçu. Hein. Non, agriculteur, agriculteur, campagnard. Campagnard, c'est quelqu'un de la campagne. Ah ouais, non, non, je veux pas de... Moi j'aime bien la campagne. Bah mon père il habite à la campagne hein, aussi. Hein. Et il arrête son potager en fait, tu vois, tiens. Ouais, ça y est, c'est fini, il peut plus là. Il peut plus, il arrête, c'est trop de boulot. Et puis il peut pas tout manger, il en a trop. Allez, je t'ai dit, je t'en vide, purée. Ah ouais, il a des carottes, les patates, il a les betteraves, il a les. Pff, il fait tous les oignons et tout. Et puis donc il fait ça les trois saisons, hein, comme ici. Et puis l'hiver, bah, il fait de la soupe avec. Il a des congélateurs, il en a 3 ou 4. Il met ça dans le congélateur, mais il mange pas tout, ils sont que 2. Ah, j'ai purée, je t'envie, hein, parce que moi je les mangerai, hein, purée. Des... C'est familier? Ouais, non, non, j'aime pas, bouseux, cutéreux, j'aime pas. Ça rabaisse l'agriculteur, j'aime pas. Non. je pourrais pas. Non, agriculteur... fermier aussi, c'est pas mal ça, fermier. Si vous habitez dans une ferme.
Fermier, hein, ouais, tout à fait. Hein. C'est grâce à des gens comme vous qu'on mange bien, hein, qu'on a des œufs, des bons aliments, des carottes quand ils sortent de la terre. C'est pas ce qu'ils nous vendent d'Espagne, là, leurs tomates pourries là, qui n'ont pas de goût. Ils ont le goût de flotte. Ah oui, c'est pas cher, mais ils n'ont pas de goût, il n'y a pas de vitamines, il n'y a que dalle. Tu vas dans des vergers dans la campagne française, au moins, voilà, t'as ce qu'il faut dedans. Même s'ils sont pas toutes belles, toutes lisses, toutes rouges, toutes parfaites. Mais non, c'est zéro, il n'y a que dalle dedans. Vaut mieux une difforme. Moi, je préfère une difforme. Tu manges ça, t'as du goût, c'est... Hey, j'en salive, là. Ben oui, évidemment, une carotte, ça doit être sucré, ça doit avoir du goût. Franchement, c'est pas l'Espagne ou le Portugal qui nous envoient leur cochonnerie, là. Franchement, ça n'a pas de forme, hein. C'est des fruits qui poussent en serre et poussent... Ouais, c'est ça, c'est de la culture intensive, hein, c'est ça. Hein, bah oui. C'est crade, ça, c'est crade. Ouais, oui, non, ça me rappelle le film L'aile ou la cuisse, hein, avec Coluche et Louis de Funès, hein, qui a regardé, vous verrez bien. Hein, alors là, j'ai de la viande. La viande a diminué, là, on dirait. Tiens, je te mets les 40 de viande, hein, si ça peut te... Moi, ça va me dégager. L'engrais, voilà, j'en ai 15. Donc il faut labourer le terrain, il faut que je désherbe, donc il me faut une houe. Il me faut une houe, et pour faire une houe, je peux le faire sur moi, je ne crois pas. Oui, je peux en faire une sur moi. Un rondin. On va chercher un rondin. Donc j'ai plus de hache, évidemment, j'ai tout vendu. J'ai des champignons, des morilles. Allez, on va choisir des morilles. Comme ça, ça me fait deux petits champs. Donc, on va garder le blé, là. Hein, parce que quand j'aurai ma grange, eh ben, pas le jambon. Hein. Le jambon, c'est ma drange. Hein. C'est pas pareil. Hein. C'est ma grange. Hein. Les agriculteurs, ben, ils vont pouvoir le faire eux-mêmes après. Donc là, je fais une hache. Une hache pour avoir des rondins pour faire la houe. Pas la roue, hein. Je suis pas un pont. Hein. Je suis peut-être Pompon. C'est le petit lapin de Bambi, Pompon. Je suis pas un pont. Hein. Il me faut une houe. Bon, on va faire la hache. Voilà, petite hache. On va se l'équiper. On va gêner, tiens. Voilà, ça y est. Hop, une hache dans les mains. Voilà. On n'a plus besoin de torches, hein, on est au printemps, il fait bon. Voilà. Donc je crois qu'il faudra désherber, mettre l'engrais, donc fertiliser et puis remuer la terre, quoi, encore. Mélanger l'engrais et la terre, hein, voilà, il faut faire ça. Et après, semer. Je crois qu'il me demande tout ça, voilà. Remuer le champ. Donc là, je vais remuer le champ. Je vais construire ma houe. Voilà. Elles sont pépères. Ouais, c'est ça. Paysan ou agriculteur, ça va. Voilà, moi, je préfère paysan. Pas de soucis. Alors, on va s'équiper de la houe. La houe, la houe, la houe. En bois. Équipé. Bah, ça devrait vous plaire ce jeu-là, alors Raptor et Baobab, alors. Donc je vais la mettre dans les mains. Voilà, ça y est. Et remuer le champ, normalement ça devrait partir. Remuer le champ 1 sur 1, ça y est, c'est fait. Bon, on va tout faire, hein. On va pas en faire juste un petit carré pour... voilà, on va tout faire. Donc 5 sur 4, ça fait 20, hein, c'est ça. Donc 20, il me faudra 20 engrais, 20 graines. Ok. Super. Donc c'est le champ 2 celui-là. Voilà. Voilà. Super. Donc moi je voudrais un petit champ de vin de chaque chose. Betterave, oignon. Alors surtout l'avoine et le seigle. Parce qu'avec l'avoine et le seigle, on fait la nourriture pour animaux. Et ça, c'est intéressant de l'avoir. Quand on commence à avoir des animaux, on commence par les poules. Et ça mange pas mal. Elle est où Elle est où Bah, pas là. Ah ouais, 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 elle est où Ouais, ouais, ouais. Ouais, elle est bien.
Tu vas dans la cuisine, non? Non. Ouais, ouais, gentil. Alors maintenant, il me demande de fertiliser le champ. Alors pour fertiliser le champ, il nous faut le sac à engrais ou le sac à graines. Et je crois que j'en ai un, il me semble. Sac ordinaire, voilà, ça y est. Il est à 61%, donc il faut que je fasse attention de ne pas le péter. Sac ordinaire, je l'ai sur moi. Et il me faut donc l'engrais. L'engrais, j'en ai 20. Ah, juste pile poil. Ouais, super. Super. Si tu as des cochons, sème des betteraves pour les nourrir. Je crois qu'ils prennent que de la nourriture à animaux, il me semble, Raptor. T'avais trouvé des graines d'avoine, il me semble. Je vais voir ça, mais normalement, l'avoine et le seigle, ça, il nous le faut impérativement pour la nourriture pour animaux, parce que la nourriture pour animaux, ils la vendent cher. Franchement, c'est pas cadeau. Hein. Oui, alors les cochons, c'est bien. Alors, c'est pas tout de suite, et puis ça vaut 3000 francs, je crois, un cochon. C'est énorme. Par contre, ça nous fait du fumier, je te dis pas. Pour l'engrais, j'ai plus besoin d'acheter d'engrais. Hein. Ça, c'est clair et net. L'engrais, j'en ai. Je dois avoir à peu près 3000 fumiers. Merci, ma puce. 3000 fumiers dans mon autre jeu avec deux cochons seulement. Deux cochons, j'ai pris le couple. Ils arrivent à 8 ans. Ils m'ont pas fait de petit encore. Donc, j'ai acheté un petit porcelet. J'ai acheté un petit porcelet et ben j'aurai encore plus de fumier en espérant que j'ai des petits. Parce que quand il y a des petits, bah ça grandit. Après, on les vend. On les vend et bah c'est pas mal parce qu'une poule, moi, je les vends 600 francs. 600 francs la poule. Ah purée, mon écran. Attendez, là, j'ai un problème avec mon écran. Excite, c'est là. Hop, voilà. Hop, ouais, c'est bon. J'ai deux écrans identiques. Et j'ai la télécommande pour les deux écrans. Donc, quand j'appuie pour éteindre, ça éteint les deux. Quand j'appuie pour autre chose, bah, ça fait les deux. Enfin, bref, c'est la galère. Mais bon. Salut, Axandre. Bah, justement, tiens, voilà le troisième paysan. Voilà, Axandre, fils d'agriculteur. Donc, justement, on était en plein dedans. Et je parlais de toi, Axandre. Hein. Je parlais de toi et on s'enrichissait de connaissances d'agriculteurs, de paysans. Bah ouais, ça va, hein, tranquille, Alexandre. Tranquille, tranquille, impeccable. Et toi, ça va? Donc là, il faut que je mette le sac. Donc, il me demande le sac à engrais. Hein. Le sac ordinaire, il faut que je me l'équipe. Voilà. Donc là, on est en train de cultiver, tu vois, Alexandre. Donc là, je vais le mettre dans les mains. Ah, je l'ai pas mis, je l'ai pas équipé. J'ai pas choisi l'emplacement peut-être. Équipé, emplacement, voilà, ça y est, il y est. Donc là, je vais aller le chercher. Voilà, ça y est. Graines de blé, j'ai les graines de blé. Ah, j'en ai que 15. Mais c'est pas ça qu'il me faut, c'est de l'engrais. Donc je vais choisir champ. Ah, je peux tout planter en printemps, sauf le seigle. Le seigle ne se plante pas au printemps. Nous, on n'est pas dans l'agriculture, papy. Ah bon? Bah, t'es... Ah, vas-y, rectifie, Alexandre. Bah, je croyais, moi. Il n'est pas dans l'agriculture. Il est dans les animaux, alors. C'est pas pareil, agriculture, c'est pas paysan, c'est pas... Ça englobe pas tout ça? Explique-moi, Alexandre, parce que je sais que t'es de la ferme, quand même. T'es de la campagne. Que je dise pas d'annerie, hein. Rectifie, hein. Si j'ai dit des bêtises, rectifie, hein. Donc là, je vais prendre l'engrais, voilà, ça y est, j'ai pris l'engrais, et on va donc, hop, fertiliser. Voilà, donc on met de l'engrais. Oui, tu devais aller rentrer les vaches avec ton père, je crois, tu m'avais dit ça, hein? Avec son grand-père, ah, bah petit-fils, fils ou petit-fils, agriculteur demande éleveur d'animaux. Ah bah je sais plus moi, je sais plus, je disais des bêtises alors. Ouais, ça doit être son grand-père effectivement, attends il va nous le dire. Je suis juste de la campagne mais je ne suis ni agriculteur ni éleveur. Ah d'accord, mais tu devais pas aller rentrer les animaux, une fois tu m'as dit faut que j'aille rentrer les animaux, aider mon grand-père à... Si si c'est Alexandre, oh si c'est Alexandre, arrête. Ah bah t'es de la campagne, bah Raptor et
Et Baobab, Baobab, pareil. Ils sont de la campagne. Eh ben, c'est bien. Ah non, bah, je croyais, tu vois. Bah, excuse-moi, Alexandre.